Bonjour mes chers abonnés, désolé pour le retard, désolé aussi pour les signes que l'on fait pour le mois de mai. Donc je vais commencer par vous. Donc cette intro, c'est pour dire voilà ce que je vais utiliser pour le mois de juin dans les tons bleus. Donc voilà, j'étais attirée par le bleu du ciel, le bleu de la mer, c'est apaisant. On va voir qu'est-ce que ça donne pour les énergies au mois de juin. Commencer l'été. Donc il y a l'oracle 11-11, oracle de la triade bien sûr. Il y a le tarot Silver Witch, Witchcraft Tarot. Pour le conseil, c'est Blue Messiah Reading Cards. Et j'ai le normand Rana George. Voilà. Coucou mes chers balances pour votre guidance pour le mois de juin. Je commence avec l'oracle de la triade. On va voir le présent, le défi. Il y a des doutes, on se pose trop de questions au mois de juin. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ouais, ça réfléchit beaucoup. Alors les balances, qu'est-ce qui se passe? On va voir le présent. Ah, par rapport à un engagement, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la souffrance. Ah, il y a des cartes qui veulent passer l'oracle de la triade. Là, ils vous passent des messages. Ça vous... Il y a de la blessure, il y a la blessure, il y a la souffrance, des inquiétudes. Ça pose problème aussi sur votre corps, sur votre dos, cou, tentation de faire quoi? Tentation, vous voulez prendre une décision, mais vous n'arrivez pas à passer le cap. Hein, voyage, voyez, là, il y a une traversée difficile, il y a un passage difficile là que vous allez connaître au mois de juin, et encore par rapport à un engagement. Est-ce qu'il y a un engagement qui vous fait peur aussi, hein? Le fait de vous engager, de partir ailleurs aussi pour certains. Une proposition qui vous tracasse, là, une proposition dans une autre région, dans un autre pays, avec quelqu'un aussi peut-être professionnel ou amoureux, sentimental. Il se peut que c'est quelque chose d'inconnu, c'est l'inconnu qui vous fait peur, hein. Partir avec quelqu'un dans un autre pays, une autre région, ou un déménagement qui vous fait peur. Alors, on y va avec la coupe pour les balances. Épreuve, éternité. Vous voyez, c'est une épreuve difficile pour vous par rapport à cet engagement, hein. Vous allez le vivre, l'amour, ben voilà, si ça peut parler vraiment pour une relation amoureuse. Vous passez par une difficulté de décision, de prise de décision par rapport à, voilà, il y a l'arme, par rapport à ce, vous avez peur de vous tremper, hein, dans le temps, hein. Mais on vous dit que dans le temps, oui, tremper, que ça va pas durer, on se pose des questions, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon partenaire, donc il y a trop de questions, hein, et on voit que là vous allez vous rendre compte qu'avec le temps il y a vraiment une progression positive et fin de ces inquiétudes. Il faut laisser le temps jouer, faire son rôle, hein. Avec le temps vous allez vous rendre compte que tout va bien. C'est pas tout de suite, mais il faut, voilà, il y a une notion de sacrifice. Vous perdez votre job pour une personne, votre place, votre famille, vos amis. Donc là, peut-être c'est cette peur de perdre tout pour quelqu'un ou pour un autre, voilà, un autre horizon de vie en fait. Hein. Il y a vraiment un bouleversement énorme pour vous. Hein. Alors, on y va avec le présent. Donc là, c'est message pour les balances. Le présent, on va le définir. Le défi, les obstacles, la réponse et la synthèse du mois. C'est sûr qu'on ne maîtrise rien de toute façon. On maîtrise, on ne pourra jamais maîtriser tout. C'est pas possible. Méditation, sagesse, racine,
et élévation. Vous voyez, tout vient dans cette sagesse, dans savoir faire la prendre la respiration, bien se poser, méditer, accepter le moment présent, être dans le présent, accepter ce qui se passe en vous, autour de vous, avec vous. Votre, voilà, c'est votre position du moment qui va vous soulager. Accepter de vivre l'instant présent, de ne pas trop se poser de questions sur l'avenir, parce que les événements peuvent changer. On ne pourra jamais maîtriser l'avenir. On peut faire un choix, voilà, un choix qui facilite en fait qui va tranquilliser en fait votre esprit, qui va vous dire bah oui, c'est vrai que c'est sûr qu'il faut faire un bon choix pour être tranquillisé, mais on ne saura jamais que un choix choisi aboutira à ce point exactement comme vous le souhaitez, exactement comme vous le pensez. C'est un choix à prendre, après il y aura des déviations, il y aura des choses à ajuster avec le temps. C'est sûr que là, vous êtes dans la situation, la synthèse du moi, on vous dit, avec cette prise de conscience, d'acceptation, de lâcher prise, j'adore ce mot, lâcher prise, ça vous élève, ça vous donne des ailes. Hein. Là, vous êtes dans un processus de réussite, hein, de voir... les choses autrement. Vous voyez, la sagesse, racine, ça prend forme, ça petit à petit, vous mettez la graine là et vous allez construire quelque chose qui va pousser petit à petit et que vous allez entretenir. Vous voyez, dans un sens positif. Et tout va bien. Pour moi, voilà, il y a une certaine sagesse et un recul par rapport à toutes ces bouillonnements dans la tête et des questions à se poser. À se faire mal hein, plus que autre chose, allez-y doucement et sereinement. Racine, protection, vous êtes protégé, vous voyez, avec ce que vous allez semer aujourd'hui, ça va être enraciné proprement et solidement. Donc il n'y a rien à se craindre, il y a l'amour. L'amour est avec vous, l'amour vous protège, l'amour de cette personne, l'amour de vos proches, l'amour de ce que vous allez faire. C'est cette patience, c'est ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui vous passionne. C'est ça qui va vous élever et vous apporter une réussite. L'épreuve, il y a rien n'est facile. C'est sûr, hein, il y a des étapes à passer petit à petit. Vous voyez, là, il y aura quelques obstacles. C'est normal, quelques obstacles. Mais vous aurez toujours une sortie quelque part. Hein, mais vous suivrez doucement, comme j'ai dit, doucement, doucement, pour arriver à votre but ou à votre objectif ou votre rêve. Sacrifice, il y a la notion de sacrifier. On va de l'énergie, dynamisme, sacrifier son temps, sacrifier son argent, sacrifier son entourage hein, pour aller vers ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez arriver. Hein. Donc il y a de l'énergie, sacrifice, épreuve. Ça, c'est le processus normal de toute chose pour arriver à un but. Il y a de la science, sagesse, science, c'est approfondir ses connaissances, approfondir ses recherches, ne pas aller à l'aveugle, hein, c'est normal, hein, il y a un sentiment de sérénité certes, il y a une lumière, mise en lumière de ce que vous avez envie vraiment d'apprendre, de connaître et de réussir. Hein. Vous savez ce que là où vous allez, ce ne sera pas facile, mais vous l'acceptez, et c'est ce qui est très bien, parce que ça vous passionne. Ça vous tient vraiment dans les tripes, dans le cœur, c'est de la patience, c'est pour l'amour de quelqu'un aussi, si on fait tout ce cheminement, hein, tout ce travail de profondeur, hein, pour mensonge, foudre. Est-ce que c'est la peur que vous vous trompez, hein? C'est parce que c'est possible, c'est un coup de foudre, un coup de tête au début, mais que ça prend forme autrement. Hein? C'est plus vraiment, on est dans la sagesse, ça a commencé par un déclic, mais petit à petit, doucement, on va étudier le plan d'action, on va étudier le plan de réalisation de quelque chose, parce que
C'est pas vraiment anodin, c'est pas quelque chose qui. Certes, si ça peut être vraiment un coup de tête, un coup de foudre, un coup d'œil, un coup de tonnerre, comme ça, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quand même, hein, qui vous passionne. Allez-y, hein, parce que là, c'est mis en lumière, la lumière, tout est clair pour vous. C'est votre cheminement, c'est votre paix intérieure qui vous apportera cette élévation. Hein. C'est parce que vous êtes en adéquation avec vos rêves, votre désir profond. Alors, on y va avec le tarot. Un jugement. Vous voyez là, vous êtes dans l'équilibre, les balances. Vous retrouvez votre équilibre. La balance qui cherche toujours à faire, à juger, à trouver, à chercher son équilibre, toujours à la recherche de l'équilibre. Bah, peut-être au mois de juin, là, on commence à le voir clairement. Alors, tempérance, tempérance, jugement. On est vraiment dans la notion de sagesse, de faire appel à ses profondes convictions, son expérience, ses acquis, en fait, cette expérience de vie qui vous facilitera ce cheminement vers quelque chose de vraiment de très très fort, hein, très fort, mais vous y arriverez. Hein. Vous arriverez avec votre background en fait, hein, on voit là 10 de pentacle, on arrive à au summum, hein, on arrive au point final. Au niveau professionnel, je vois qu'il y a une belle réussite, hein, une réalisation de quelque chose de très fort. On voit là que vous arrivez aussi à partager avec votre entourage cet enthousiasme, cette réussite. Hein. Ce succès, il est au bout, il arrive, vous arrivez à communiquer aussi, à bien communiquer avec les autres. Hein. Il y a cette indépendance, hein, comme le chat. Hein. Vous êtes indépendant, vous êtes arrivé à. Vous allez arriver par vous-même, hein, mais faire partager avec les autres votre réussite, votre succès. Mais il y a l'aide de personne. Il n'y a que vous vous aidiez, en fait, à aboutir à traverser ces épreuves. Donc, ne comptez que sur vous-même. Et ça, on voit que là, vous arrivez à manier, en fait, à bien manier vos acquis, en fait, hein, vos bagages. À bien exploiter ce que vous avez en main, ce que vous avez aussi acquis ces dernières années. Voilà, je passe avec le 11 heures divinatoires pour la synthèse du mois. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous, pour mes chères balances, pour le mois de juin? La traversée ne sera pas facile, hein. Je vous le dis, ce ne sera pas facile, ça demande beaucoup d'énergie et d'efforts. D'énergie, bah faites aussi, prenez de la force vitale en faisant du sport. Hein. Peut-être là, je vois, il y a besoin d'avoir aussi de l'énergie physique. Hein, pour, je sais pas, il y a quelque chose de physique aussi à traverser. Hein, c'est ça, voilà, il y a des efforts physiques. Enfant, intention, les intentions, enfant, c'est votre enfant intérieur ou votre enfant, propre enfant, qui demande, qui a besoin de vous. Hein, au mois de juin, on voit qu'il y a les sentiments. Il y a un manque de votre présence pour certains balances, peut-être. Il y a l'éloignement pour certains de votre enfant, les gens. Il y a votre enfant. Ouais, il y a des pensées pour un enfant ou pour vos enfants. La lutte, est-ce que c'est par rapport à un enfant qui traverse une période aussi difficile? L'énergie féminine, c'est votre énergie, c'est votre force qui donne aussi la possibilité de traverser ces épreuves avec pour votre enfant. C'est possible. Il y a la question de les gens, le cœur brisé, le rejet. Ou c'est votre enfance aussi qui revient là, votre vécu. En tant qu'enfant, vous avez eu
des malentendus, hein, des jugements, des. Ouais, une enfance difficile pour certains. Alors, les ancêtres, on parle des ancêtres, on parle d'équilibre. Oh, vous voyez, où on se retrouve l'équilibre avec l'éclaircissement sur ses origines, sur ce que ce que vous avez vécu enfant, avec famille. Est-ce qu'il y a un problème aussi d'appartenance à une culture, quelle que soit pour les balances, à trouver cette justice sociale, culturelle. Il se peut aussi l'esprit aussi, on trouve l'esprit des ancêtres qui vont vous guider aussi, qui sont présents. Il y a une multitude, je vois là, d'ethnies peut-être aussi pour certains, hein, et un équilibre à trouver avec cet enrichissement aussi de mixité, pourquoi pas, hein, un éclaircissement aussi sur ses origines, hein, que on va vous, ouais, ça vous apporte aussi l'acceptation pour certains, pour ça, c'est un message particulier pour, voilà, pour certains qui se posent des questions sur leur origine, sur leur identité. On parle aussi de guide de vos ancêtres qui sont là, qui vous observent, qui vous protègent. On voit l'esprit, il est là. Hein, il vous lance aussi, il vous lance des messages. Il vous lance des messages, il vous guide, il vous donne des réponses. Éclaircissement, grâce à ces esprits, ou un esprit en particulier d'un grand-père, d'une grand-mère qui veille sur vous. Voilà. On passe à l'amour. On passe à l'amour. Pour les balances pour le mois de juin. Il y a la lune est la clé. Les messages, je vous dis. Il y a une réponse par vos guidances, par votre guide intérieur ou guide spirituel. Il vous dira, il vous donnera la clé pour trouver l'ouverture vers quelque chose. Une porte qui s'ouvre devant vous, un chemin qui s'ouvrira, qui s'illuminera, un éclaircissement sur un événement qui se présentera grâce à votre ouverture d'esprit, à être en écoute, à l'écoute de vos rêves, des messages qui seront envoyés. Vous le saurez au bon moment. Il suffit de regarder un chiffre, attentif à ce qui se passe autour de vous, un chiffre, une image, une voix, une lettre qui peut vous attirer, je sais pas, une information sur un mot. Vous voyez, il y a plein d'indices qui peuvent être envoyés comme ça. Mais quand on est ouvert, on est attentif, on se rend compte. Mais intuitivement, hein, c'est pas à rester à attendre. Non, mais être attentif à ce qui peut se passer autour de vous et à n'importe quel moment, même dans les rêves. Alors, on parle d'un choix, vous voyez, une route qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, il y a une ouverture. L'ancêtre, il y a la question d'une maison d'enfance, quelque chose qui a rapport avec votre enfance, avec la maison des parents, des grands-parents. Est-ce que dans ce lieu-là aussi, vous allez trouver une réponse à vos questions, une ouverture à vos questions? Pour le plan amoureux, on parle. Je ne sais pas pourquoi je continuais, alors pour ça, oui, mais bon. Sur le plan amoureux, il y a un choix par rapport à un homme. Un homme qui veut s'engager avec vous. Un homme qui tient à vous. Mais peut-être il y a eu un moment d'hésitation.
Mais on voit que tout s'éclaircit pour vous. Hein. C'est éclairci, c'est évident. C'est l'homme de votre vie. Pour certains qui sont en train de se poser des questions par rapport à une relation, je pense que l'homme, il est là, il vous attend. C'est un cadeau de la vie. C'est vraiment la belle rencontre. Si vous vous rencontrez, vous avez rencontré quelqu'un récemment, c'est une belle rencontre. On dit que c'est vraiment là, il va faire sa demande. Hein. Je pense pour certains, sa demande. On va planifier quelque chose chez le maire. Hein. On va planifier l'acte d'accord de contrat. Vous voyez, là, il s'ouvre à vous, ou elle s'ouvre à vous. Elle est. Très beau tirage sur le plan amoureux. Pour les là on voit qu'il y a un engagement en place, un engagement qui se construit là. Et soit à partir de juin, soit c'est vraiment une déclaration, on planifie l'engagement sérieusement sur le plan administratif. Si vous êtes célibataire, ben là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Dans un lieu, c'est ce que j'ai dit, il y a une maison, il y a une invitation, pourquoi pas, en famille. J'ai un peu pour certains, balance, c'est en famille. En famille, il y a une surprise, il y a une découverte de quelqu'un. Un enfant, là, peut-être ce mec, il a un enfant, il était marié pour certains, il s'agit d'une... d'un homme qui a un enfant, ou vous avez un enfant, c'est une famille recomposée. Pour certains, il s'agit d'un homme qui a un enfant. Il est sérieux, il sera sérieux. Si vous êtes célibataire, vous allez tomber pour certains. Balance, bien sûr, mais on parle vraiment d'une belle rencontre avec quelqu'un de sérieux, mais qui a eu un vécu, hein, et qui a peut-être la garde d'un enfant. Si vous allez rencontrer, faut être alerté. Alerte, c'est une alerte, une bonne alerte. Voilà, mes chers Balance. Je vous dis merci. Hein, bref. Commentez si ça vous plaît. Sinon, un petit like. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye.